Bonjour et bienvenue sur Tuto Marketing. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer un QR code gratuitement grâce à ce site internet, hein, donc qui va générer pour vous un QR code comme celui-ci que je viens de créer. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir proposer ce service sur différentes plateformes. Et oui, vous allez pouvoir par exemple sur 5 euros pouvoir ici créer des QR codes et les vendre à partir de 5 euros. Comme vous pouvez le voir, il y a ici des personnes qui créent des QR codes et qui les vendent. Ok, vous avez aussi sur Fiverr. D'accord, il y a d'autres plateformes de services. D'accord, vous allez pouvoir vous inscrire évidemment et par la suite pouvoir créer votre QR code. Donc ici, vous avez vu que c'était très simple. Là, on peut changer le link, enfin le lien, et on peut mettre ce qu'on veut évidemment. Voilà, et automatiquement, vous allez voir qu'ici, il va générer, en tout cas, le lien. Je peux à tout moment changer les couleurs, d'accord? On peut changer les couleurs et mettre ce qu'on veut. Voilà, et là, automatiquement, il va faire les changements adéquats. Donc là, on va laisser un petit temps pour pouvoir évidemment charger. Vous avez vu que là, pour le moment, je suis sur Link, mais vous allez pouvoir mettre un texte aussi, un email. Ok, vous allez pouvoir évidemment, chaque fois que les gens vont scanner, vont être redirigés vers email, vers une location, vers un phone, SMS, WhatsApp par exemple, ou vers tout simplement PayPal, ou vers votre Bitcoin. Ok, donc c'est vraiment pas mal. Moi, je vais rester sur le Link. Et puis, vous allez pouvoir créer comme ça un. Dégradé tout simplement ici en seconde couleur, vous allez pouvoir, vous avez vu, créer ce type de dégradé si vous aimez. Ok, on peut faire par exemple comme ça, et ici en bleu, on va voir, attendez, on va voir ici en bleu si on peut le faire. Voilà, vous allez pouvoir choisir vraiment toutes les couleurs que vous voulez. Dans design, vous allez pouvoir choisir ici les petits pointillés, hein. D'accord? Voilà, donc là, vous allez pouvoir choisir les petits pointillés si vous voulez. On va choisir aussi les marques de bordure. Donc, on va pouvoir les modifier. Ça, c'est à vous de voir. Donc, ça, on parle des grandes marques qui se trouvent ici. Et puis, vous allez pouvoir changer l'intérieur aussi, par exemple. Pourquoi pas comme ça? Et là, l'avantage, encore une fois, c'est que c'est totalement gratuit. Vous allez pouvoir insérer votre propre logo ici au milieu. Ok, donc tout dépendra de ce que vous allez faire. Mais vous allez pouvoir, en cliquant ici, pouvoir parcourir votre ordinateur et pouvoir mettre le logo que vous voulez ici au milieu. Donc c'est pas mal. Vous avez le frame. Donc le frame, c'est ce qu'il y a ici autour. Donc juste là où il est marqué scanne-moi. Vous allez pouvoir, par exemple, le mettre vers le haut. Et vous allez pouvoir changer comme ça très rapidement, même changer la couleur. Vous avez vu, très très rapidement. On va pouvoir changer ici, par exemple, au lieu de mettre du noir, on pourrait mettre du rouge, par exemple. Et là, vous allez voir que ça change directement. Et puis, il y a d'autres options, évidemment. Vous allez pouvoir choisir, par exemple, la qualité. Moi, je prends le best. Et là, vous allez pouvoir le sauver, tout simplement, le télécharger en PNG, en SVG ou directement l'imprimer. Voilà, donc je trouvais ça très intéressant, encore une fois, de pouvoir créer un QR code et par la suite de pouvoir le proposer comme service, les amis. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, évidemment, à partager, ça c'est très important, et surtout, surtout, à vous abonner à ma chaîne, évidemment, si vous aimez le contenu. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!